Alors, dis-nous tout. Bonsoir à tous. Je viens de la Guadeloupe et j'ai subi. J'étais brûlée au deuxième et troisième degré le 19 mai de cette année-ci. Une cocotte Clipso a explosé sur moi et j'ai des photos de l'état dont, ouais. Alors, dont on j'étais. On va montrer ça. Alors, avant, si on peut la regarder, vous allez voir. Non, Jésus. Regardez là, si on peut filmer un peu. Alors ici, j'étais brûlée depuis là, ici, tout ici, ensuite sur l'épaule, et la dernière brûlure du troisième degré, c'est ici. Okay. Donc là, on voit bien. Regarde ici. Voilà, là, si on peut mettre la caméra ici. Voilà, on voit sa tête, hein? On voit. Maintenant, regardez avant. Alors, lorsque l'accident s'est produit, j'ai appelé des frères et sœurs qui me sont venus en aide. Et les pompiers sont venus me chercher à la maison. Et le médecin m'a dit, de toutes les façons, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous serez greffé. Vous serez greffé parce que votre visage est brûlé au deuxième degré. Alors, je venais chaque jour au centre hospitalier pour faire le pansement. Et le médecin, il me regarde et puis me dit... Mais je ne comprends pas. Vous guérissez à une vitesse extraordinaire. Alors je lui dis, docteur, vous savez, c'est pas la grâce de Dieu. Il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il est dans l'affaire, mais moi je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Mais en tous les cas, je vais vous greffer ici. Il dit, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de greffe et moi je ne ferai pas de greffe à mon visage. Parce que Jésus, il a déjà greffé mon visage. Parce que lorsque l'accident s'est produit, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi? Et j'ai eu un songe. Et je me vois comme ça, bien, bien coiffée, bien belle, et puis me dit, voilà ton nouveau visage. Je dis, waouh! Et j'ai gardé cette foi en moi, cette confiance de me dire que Jésus m'a déjà guéri. Et lorsque je suis revenue, il m'a dit, étant donné que je ne peux plus vous greffer au visage, je veux vous greffer à l'épaule et au bras. Je lui ai dit, docteur, ce que Jésus a commencé ici, il va l'achever là. Alors vous ne me grifferez pas. Frères et sœurs, j'ai vu des gens porter des greffes qui ont accepté. C'est triste à voir. Mais avoir la foi et faire confiance à Jésus, franchement, c'était mon meilleur greffier. Voilà mon bras. Alors que j'étais brûlée de là à là. J'avais un trou dans l'épaule et on voyait mon os. Sincèrement, j'étais dans une famille où le frère me disait, j'ai l'impression que tu n'as pas mal. Je lui ai dit, frère, si je te dis, je n'ai pas mal, tu ne vas pas me croire. Il me dit, mais je ne te vois ni pleurer, ni gémir, ni te plaindre. Je lui ai dit, parce que la situation, je l'ai confiée à Jésus. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais me plaindre. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Je vous assure, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu parce que lorsqu'on marche avec Jésus et qu'on s'appuie sur lui, il n'y a aucun regret. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les frères et sœurs qui ont soutenu mes enfants dans la prière, dans cette épreuve. Et tous les frères et sœurs de Guadeloupe qui ont prié pour moi et à travers d'autres messages qui sont passés. Car c'est là qu'on voit qu'on est une famille en Jésus-Christ.
Et Jésus n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun. Alors ne perdez pas courage. Même ceux qui viennent pour la première fois, soyez-en sûrs. Jésus est avec vous. Acceptez-le et faites-lui entièrement confiance. Et signez et approuvez.